Yo tout le monde, Steiner. Aujourd'hui, on se retrouve comme on peut voir à la boîte et puis au titre sur le déballage de l'iPhone 12 Pro de couleur bleu pacifique. Donc voici la petite boîte classique, bah, du coup, enfin une petite boîte où c'est que va se ranger la boîte du téléphone. Étant donné qu'on est en Europe, on a l'obligation d'avoir les écouteurs avec. Donc voilà les petits AirPods. Donc oui, si vous le commandez sur Apple FR, vous aurez bien entendu cette. Les écouteurs quoi, donc voilà, qui sont dans une petite boîte. Donc la boîte ici est vraiment très 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 petite par rapport aux anciennes. Donc bon, ça je vais pas le montrer, d'autres youtubeurs l'ont fait. Hop, une petite boîte très sympathique. Elle s'ouvre très facilement. Waouh, magnifique. Le dos est magnifique, j'adore. Donc ce téléphone coûte 1159 euros. Pour un écran de 6,1 pouces en bleu pacifique, 128 Go de base. Ouh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Bien entendu, le petit câble de chargement Lightning vers USB type C. Donc voilà, du classique pour charger son téléphone. C'est vraiment très simple à l'intérieur, c'est très sobre à l'intérieur de la boîte de l'iPhone. C'est rien de plus, rien de moins. Les petites notices avec la petite. Le petit outil pour enlever la carte SIM, les petites notices, et puis là, du coup, le stickers de la pomme que je n'en utilise pratiquement pas. Les bords sont magnifiques. Hop, Union européenne, je sais pas, vous le verrez pas, mais du coup, là, le signe euro, un petit peu la poubelle, au lieu d'être derrière, ça prend tac et bien une trace de doigt par contre. Le dos est magnifique. Là, rien à redire. On va enlever le devant. Oh là là, j'adore. J'adore. Déjà, l'iPad. Bon, l'iPad a des bords un peu plus fins. Je sais pas si vous le verrez bien, mais l'iPad a des bords plus fins du coup. Mais j'aimais bien beaucoup le côté, les côtés donc, de l'iPad. Donc voilà. On va l'allumer. Je vais faire ses premières configurations. J'espère qu'il aura de la batterie. Ce serait cool. Ça n'a pas l'air. En tout cas, les boutons, ok. Il est plus lourd, je crois, hein, donc bon. Donc là, je pense que c'est le micro. Là, trois petites sorties. Là, le haut-parleur. Il est vachement chouette là, là franchement. Hello. Donc iOS 14, France. Oh, la qualité là, ça change. C'est magnifique là, franchement. Configuration manuelle. Se connecter au Wi-Fi. Donc, je suis vraiment pas déçu de mon achat, soit c'était celui-là de toute façon, donc autant en profiter parce que c'était celui-là, ou de prendre le 11, mais bon, le 12 est sorti, autant prendre le dernier qui est plus sympathique que le 11, surtout que ça reste dans ma ligne Dixian, le 10, du coup le premier iPhone avec Face ID, le XS machin, et après il a eu le 11, donc pendant 3 générations, pendant trois générations, c'était le même bord. Il n'avait pas grand-chose qui changeait à part la performance et tout ça. Et là, on change vraiment le design et pas mal de petits trucs. Donc, c'est vraiment pas mal. Je vais faire le petit Face ID. Comment configurer? Ok. Deuxième analyse terminée. Face ID est du coup configuré. Créer un code. On est bien connecté au Wi-Fi. L'heure, par contre, n'est pas du tout la bonne. Donc, moi, je vais le faire en temps. Ne pas transférer les appels et données. Hop, moi, je veux qu'il soit vraiment tout neuf. Et c'est moi qui rajoute mes applications pour faire le tri comme il le faut. Ok. Conditions générales, j'accepte. Configuration peut prendre quelques minutes. Là pour le moment, là avec la configuration, il n'a pas réchauffé. Les appareils photo, c'est vraiment ça change par rapport aux deux appareils photo. Enfin, les deux appareils photo plus petites sur l'iPhone 10. Donc ça change vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la prise en main. On sent quand même qu'on a un téléphone dans la main. Il pèse un poids qui fait qu'on sent qu'il a le téléphone. Maintenir votre iPhone à jour, ok. Localisation, ok. C'est vraiment là, franchement, je ne suis pas déçu de mon achat pour le moment. Le Siri, c'est plus tard. Ton écran, plus tard aussi. Ne pas partager, ils n'ont pas besoin. L'affichage TrueTone, ok. Donc, TrueTone, moi j'aime bien le mode sombre ou le mode clair. Et on va commencer par le clair, zoom d'écran, moi je veux que ce soit normal, pas spécialement grandi. Ok, ah oui, c'est vraiment
Vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. J'adore. Bien quelle version du coup? Général, information. iPhone 12 Pro, iPhone X, iPhone de Kevin, garantie limitée jusqu'au hop. iOS 14.1. Donc voilà, très 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 joli. Très joli téléphone. Donc voilà pour ce petit déballage. Je sais pas si je vais faire d'autres vidéos avec dessus. Lara, d'autres autorisés, ne pas autorisés. Nouvelle vidéo Coca dessus. Lara, des vidéos qui vont être filmées avec ce téléphone. Mais après, réellement, waouh, c'est vraiment joli. Donc après, je ne sais pas si je vais faire une vidéo, plusieurs vidéos sur ce téléphone. Je ne sais pas, mais dessus, je vais faire. Je vais m'éclater à filmer avec ce téléphone. Donc voilà pour ce téléphone. Je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo.